Bonjour. Alors, dans ce tuto vidéo, nous allons voir un logiciel qui s'appelle XXClone. Et comme son nom l'indique, eh bien, ce logiciel va vous permettre de faire une image de vos disques ou de vos partitions. Voilà, donc pour télécharger, vous allez dans Download, XClone Freeware, un fichier compressé, vous cliquez ici, vous téléchargez ce fichier que vous allez retrouver dans vos téléchargements. C'est un fichier compressé qui pèse 4,5 mégas. Vous extrayez bien sûr l'application et vous l'installez. Voilà, vous acceptez. Donc installé pour tout le monde sur cet ordinateur. Créer des. Vous laissez tel quel. Vous cliquez sur Next. Voilà, lancer XXClone. Voilà, là, il scanne les disques pour les partitions. Donc, il est toujours intéressant d'avoir en sauvegarde donc une image de vos disques en cas de problème, de pouvoir les recopier, les réinstaller. Donc là, on voit que j'ai une partition C, une partition système, 452 gigabits, une partition de sauvegarde. Donc backup tout le volume, voilà, ça c'est d'office. Donc là, si je clique sur Start, eh bien, il me fait une copie que je vais stocker à ce moment-là sur un disque dur externe. Test boot, flash. Donc il y a des petits utilitaires. Comme quoi, par exemple, Schedule Task, hein, je peux programmer la sauvegarde automatiquement, je peux restaurer des points, je peux lancer un diagnostic également. Enfin, bon, alors c'est en anglais, bien sûr, mais si on se base uniquement sur les fonctions, eh bien, les plus simples, hein, c'est-à-dire faire une sauvegarde du disque, eh bien, c'est un petit utilitaire très pratique. Voilà, merci.